Hey, bonjour les amis. Eh ben c'est reparti pour une petite vidéo. Je pouvais pas passer outre que de vous faire la première vidéo en reprise d'un haul action. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je tenais à vous remercier tous et toutes qui m'ont laissé des petits messages. J'ai reçu lorsque j'ai publié sur Snapchat et Instagram que je reprenais les vidéos. Vous avez été franchement adorables. J'ai reçu des petits messages de contentement, on va dire. Ça fait chaud au cœur. Et puis, je me dis que tout compte fait, non, j'ai réalisé que je vous manquais. Donc, tipichic, j'ai une surprise pour vous. Vous savez que je suis toujours à la recherche de mes yeux. Eh ben, j'ai une surprise. Aïe, ça recommence, je me suis pincée. Bon, je changerai pas sur ce coup-là, j'y m'arrive toujours. Mais je couperai pas. Ah, ça pince, ça fait mal. Donc, vous m'avez connue avec celle-ci. Alors, en fait, je suis désolée hein, si je regarde de ce côté-là. Et je dois regarder là, en vérité. Je suis désolée, c'est là que je dois vous regarder. Mais mon mari m'a offert un caméscope. Et j'ai plus l'habitude d'avec l'appareil photo. Donc... il va falloir un temps d'adaptation. Je crois qu'il va falloir un temps d'adaptation pour reprendre, pour filmer, pour refilmer, parce que c'est pas évident en fait. Et donc, j'avais celle-ci où vous les avez quand même beaucoup aimé celle-ci. Et j'ai changé de lunettes. J'ai pris ce modèle-ci. Alors Pauline me dit, je t'ai trop vue avec les autres et je les aime bien celle-ci. Donc, moi je les aime bien aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ce sont des Prada. Donc, pour celles que ça va intéresser, parce que de toute manière, je m'y attends en me demandant la référence, puisque vous m'aviez déjà demandé celle-ci. Donc, je vous mettrai en barre d'infos la référence. Donc, je les ai eues chez Alain. Voilà. Moi je les trouve pas mal sympathiques, mon mari les a bien aimés, je me sens à l'aise dedans, je vous vois bien. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je vais garder les deux, tiens. Alors je tenais à présenter également des produits qui m'ont été offerts via la plateforme Octoly. Je remercie Andy pour m'avoir envoyé gratuitement ces 4 crèmes pour les mains. Vous savez que j'adore ces crèmes, j'avais les gels nettoyants et là j'ai demandé à recevoir les crèmes. Donc j'ai reçu une vague d'amour, un bouquet de fleurs, la cerise sur le gâteau, le monoeil et l'insouciance des vacances. Seulement les vacances, sont plus là mes vacances. Donc ce sont des crèmes que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'ai envie d'essayer une vague d'amour. Les produits Indie sont vraiment top. Donc vous avez vu, j'ai les mains un petit peu ridées, un petit peu beaucoup même hein. Donc je me mets une petite quantité. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours ces petites boules bleues. Hein. Oh, l'odeur, elle est splendide. Donc, je me mets... Ça, c'est pour me préparer après pour prendre les produits que je vais vous présenter. Et j'aurai de belles mains grâce à Andy. Merci, Andy. Merci, la plateforme Octoly. Je vous mettrai toutes les informations en dessous. N'hésitez pas à essayer ces produits, hein. Franchement, si vous avez l'occasion, je sais que Monoprix les vendent. Pauline s'achète souvent des petits gels pour se nettoyer les mains. Ça ne coûte pas très cher et ça sent très bon. Ah, j'adore l'odeur. Donc voilà,
J'ai reçu également des produits Luxéol. Donc j'ai reçu l'huile sèche pour les cheveux et le corps parce que ça ressemble beaucoup à l'huile sèche de chez une autre marque. Toujours offert par la plateforme Octoly. Cette huile de 100 ml. Je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau. Donc je remercie Luxéol. Je remercie Octoly. Et j'ai pris Luxéol Pousse, Croissance et Fortification des cheveux. Alors vous voyez bien que moi mes cheveux, bon ils ont poussé. Depuis que je ne vous ai pas vu, ça va faire plus de 8 mois. Donc mon dernier passage chez le coiffeur a été en mi-juillet. Et ça fait 6 mois que je ne fais plus du tout de couleur. Donc vous pouvez constater l'état de mes racines. C'est ma couleur naturelle. Voici ces deux produits. Donc c'est une gélule à prendre une fois par jour pendant 30 jours. Et je les ai déjà essayés ces produits-là. Et franchement, je les affectionne. Je trouve qu'il y a de l'efficacité. Mes cheveux avaient perdu de leur volume. Mon coiffeur m'avait dit qu'ils avaient pris de la masse. Malgré ce que je faisais en plus, hein, faut toujours de toute manière soigner ses cheveux. Par contre, ce que je déplore un petit peu, alors je suis désolée, hein, mais il y avait ce petit magazine où j'avais un code promo. Mais le code promo était jusqu'au 39/2019. Et moi, je les ai reçus bien à... Enfin, le code promo, je crois qu'il était même fini quand j'ai reçu le produit. Je ne sais pas, faudrait que je vérifie. Mais de toute manière, j'avais plusieurs jours pour vous faire la vidéo. Je trouve un peu dommage que le délai n'aille pas jusqu'à notre temps imparti pour pouvoir vous présenter les produits. Je trouve ça dommage. Donc, je vous mettrai toutes les infos. Mais de toute manière, le code promo, il fonctionne plus. Voilà. Donc, mes petits achats. Je me suis acheté chez ma petite boutique bio. Alors ça, c'est pas cadeau. Hein. C'est pas cadeau du tout. C'est moi-même qui me l'ai acheté. C'est le thé matcha. Vous savez qu'avec le... J'ai pris un petit peu de poids et je me sens pas très bien dans ma peau. Au niveau de la taille, ça me sert le bidou. Et j'ai lu que le thé matcha faisait maigrir avec un petit jus de citron. Donc je mets ça dans une bouteille d'eau, j'en mets une petite quantité. Je mets un demi-citron pressé et je dois boire ça dans la journée. Donc j'ai lu que ça faisait perdre un peu de poids, donc je vais essayer. Je sais pas si ça... De toute manière, le thé n'est pas mauvais pour la santé, donc j'ai décidé. Par contre, le poids net 30 grammes, et je l'ai payé 8 euros. Je trouve ça un petit peu cher, mais je le voulais. Et j'avais pas envie de prendre ma voiture, faire des kilomètres et des kilomètres pour m'acheter du thé et matcha moins cher. Je suis allée dans mon épicerie bio de ma ville. Voilà. On arrive à une période où on est malade, on a les rhumes et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai un petit compagnon de route là qui est venu me faire rendre visite. Je demandais, quand je suis contrariée ou que je fais de la fièvre, j'ai un bobo de fièvre qui sort. Et j'en ai eu un beau, je ne sais plus quand, donc je ne vais pas revenir en arrière, je ne sais plus. Et mon généraliste m'a dit de toute manière, rien n'y fait, rien soigne un bobo de fièvre. Sauf que ça fait mal, c'est gênant. Donc à l'époque, c'était mon mari qui était allé chercher mes médicaments, parce que moi j'étais dans l'incapacité de me lever, et il me fallait des médicaments d'urgence. Et j'avais ce bobo qui grossissait et qui me faisait très mal. Et mon mari a demandé quand même à la pharmacienne de me donner quelque chose parce qu'au moins pour m'aider à ce qu'il cicatrise, en lui expliquant que mon généraliste n'avait rien voulu me prescrire parce que soit donc il n'y a rien qui soigne de l'herpès, on va dire, parce que voilà. Et la pharmacienne l'avait fait, mais bon, c'est quand même gênant et ça fait mal. Je vais quand même vous donner... Désolée, ça a coupé. Et elle m'a prescrit cette petite crème à me mettre sur la plaie, ben, je peux vous garantir que ça, maintenant, j'en aurai toujours un d'avance. C'est miraculeux. Alors, c'est de chez Pranarum. Et franchement, c'est génial. Moi, je vous le conseille. On y va, les amis. C'est parti. Donc, si
si j'ai les comment, les prix sous les yeux, eh bien écoutez, je vous donne les prix. Si je les ai pas, vous connaissez maintenant les prix actions. C'est une coupelle en bois comme ça, carré, que j'ai payé 2,98€. Donc j'aime beaucoup le bois, chez moi j'ai beaucoup de bois, donc pour mettre des choses, faire un petit plateau, j'ai bien aimé. J'ai trouvé des chaussettes pour Paulette à paillettes. Donc Pauline adore les chaussettes à paillettes, hein, claquettes chaussettes. À l'internat, ça lui plaît bien. Donc c'est deux paires. Et je les ai payées. Tu vas galérer à trouver les prix, ça va. 1,79€. J'ai trouvé cette lampe dont tout le monde parle. Je suis contente parce que il n'y en avait qu'une en rayon. Alors elle était ouverte, mais je pense qu'elle est intacte, hein, il manque rien du tout. Donc vous en avez été toutes contentes. Et je vais l'essayer parce que d'autant plus que moi j'y vois plus rien. J'arrive plus à me maquiller les paupières. Pourtant j'adore le maquillage. J'arrive plus à me maquiller parce que j'y vois plus rien. Donc ça, je ne sais plus le prix. Si je retrouve, je vous le dirai. J'ai racheté du dentifrice pour avoir de belles dents. Parce que je prends toujours le dentifrice à Action. J'ai acheté des collants. Mais dans les petites tailles, on va dire. Enfin, dans les petites tailles. Dans les tailles standards, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc quand il y en a, j'en prends. Et là, il va falloir que je fasse le plein. Donc j'en prends dès que j'en trouve. Et les 4,62 deniers, c'est ceux-là ? 20 deniers. Bon, sachez que j'en ai pris à 60 deniers aussi. Donc, 1,99€. Parce qu'il y a écrit collant femme mode 1,99€. Il n'y a pas écrit les deniers dessus. Donc voilà, j'ai pris des petits collants. J'ai pris des Mars. Ça, c'est pour les 4 heures de Monsieur Hippie et Pauline. J'ai pris des Twix. Parce qu'il paraît que c'est la vie. Du mire pour le linge foncé. Parce que oui, moi je prends de la lessive pour les couleurs. Et le linge foncé, je prends toujours de la lessive spéciale couleur foncée. J'ai pris ceci pour ranger mes tubes de rouge à lèvres. Parce que je vais me réorganiser mon make-up. J'ai pris des Milka pour Paulette. J'ai pris des chaussettes. Alors, je vous ai montré les autres. Elles étaient grises. Celles-ci, elles sont bleues à paillettes. Celles-ci, elles sont noires. Et celles-ci, elles sont rouges. Et par contre, dans celles-ci, ce sont des lots de deux. Voilà, pas cher du tout. Et Pauline, elle adore les chaussettes comme ça. Je lui ai trouvé un collant à paillettes. Et la femme qui me les a passés en caisse, gentille comme tout, elle m'a dit qu'elle les avait et que franchement, elle ne y grattait pas. Parce qu'en général, les collants paillettes, ça gratte. Et bien ceux-là, ils sont top. Alors allez-y les filles, foncez. Il paraît qu'il n'y a pas de rougeur et que ça ne vous démange pas pendant que vous les portez. Donc si vraiment Pauline me dit, maman, c'est bon, tu peux les en reprendre, je reprendrai. Et moi, au pire, j'essaierai aussi parce que je trouve ça sympa pour les fêtes. Voilà. Donc, voilà les autres. Les collants Kate 60 deniers, j'en ai repris une paire. Alors, je ne sais pas si c'est par... non, je crois que c'est par un, ceux-là. Voilà. Donc, j'en ai pris deux, en fait. Ah oui, parce que couleur or et couleur argent. Donc, je lui ai pris une paire de chaque. Voilà. J'ai pris pour Paulette un set de calligraphie. Elle adore ça. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus le prix. Je crois que c'était presque 4€, hein, 3€ et quelques. J'ai repris son petit 4 heures quand elle est au lycée. J'ai pris... Vous savez que fut un temps, je vous parlais des couteaux de cuisine que j'avais en céramique, que je cherchais partout. Ils en mettent quelques fois, donc 99 centimes. Alors quand il y en a, j'en prends. Donc là, j'en ai trouvé 4.
Je ne prends plus les couteaux bouchés à dents en inox, là, parce que au lave-vaisselle, ça vieillit mal, ça rouille. Ça, au moins, ça coupe bien la viande. Un steak. Et à table, ils sont heureux. J'ai racheté mon finish pour mon lave-vaisselle parce que j'ai essayé de prendre une marque Action. Alors, bas prix. Alors, franchement, une catastrophe. C'est dans un emballage en plastique. Alors, je ne saurais vous redonner le nom. Mais alors, franchement, je vais m'en servir quand j'aurai pas beaucoup de vaisselle, quand je voudrais juste faire un... Ma vaisselle sera pas trop sale, je m'en servirai. Mais sinon, pourtant, je mets pas ma vaisselle sale, hein. je la passe toujours sous l'eau avant, mais l'autre marque, c'est une catastrophe. Il y a vraiment, pour les lave-vaisselle, il faut prendre de la marque, sinon moi je trouve que ça lave pas. Après, voilà, moi je prends du Vanish, ça me coûte 8 euros à peu près. Et j'en ai 120 tablettes, donc j'ai de quoi faire. J'ai repris des panières, parce que celles-ci, je les aime beaucoup. Donc j'en ai 3 en blanche, pour mettre dans mon dressing. J'arrive, hein, les amis. Voilà, il reste pas beaucoup de choses. J'ai repris un peu la boîte écrasée. J'ai repris des chaussettes Tue l'amour. Mon mari appelle ça des chaussettes Tue l'amour. Il aime pas du tout. Mais quand vous arrivez à une époque où il fait ni trop chaud, ni trop froid, que vous mettez des petites chaussures... l'hiver, je mets des chaussettes avec des bottes, d'accord? Mais quand vous mettez des jeans avec des petites... chaussures, des mocassins en cuir où on voit votre dessus de pied. Moi, je peux pas mettre des chaussures sans chaussettes, à part mes tongs l'été ou mes claquettes. Oh non, maman, t'as pas acheté ça. Si, maman l'a acheté ça. Maman, t'achètes pas des trucs comme ça. Ma chérie, oui. C'est comme le bas. C'est comme le bas de Christina. Ah, c'est pas possible, ma chérie. Ma chérie, elle te dit, tout est possible. Moi, je m'en fiche. Je mettrai ce que j'ai envie de mettre. D'accord? Donc, tu peux pas mettre des chaussettes normales comme tout le monde. Des chaussettes normales comme tout le monde, non? Il y a des fois, on peut pas mettre des chaussettes normales comme tout le monde. Mais les cols en chair, maman, oui. Christina, elle veut pas les cols en chair. Si c'est pas Christina, moi je m'en fous, Christina, je te parle de moi là. Christina ne veut pas les cols en chair, et ben moi je prendrai les soquettes chair. Et chair ou pas chair, je prendrai chair. Donc voilà, ben écoutez, moi ça va faire l'affaire et je suis ravie. Et donc j'en ai pris 2 boîtes. Ah oui. Donc il y en a 2 dans chaque boîte, 4. C'est parfait. Et j'ai pris un collant à pois. Donc ça sera pas pour le Paulette, ça sera pour moi. D'accord. Et j'adore ce style de collant. Avec une petite jupe noire. C'est très mignon. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris un crayon pour les lèvres. Pour faire le contour des lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Je vais l'essayer. J'avais envie, j'en ai un. Mais j'avais envie de laisser pour voir si c'était de la bonne cam. Et dites-vous bien, les filles, que j'ai trouvé le dentifrice au charbon. Je pense que Paulette, elle aurait dû relever la tête pour me dire « Ah, quoi, j'en veux !» Moi, j'ai pas besoin de lever la tête, je le sais déjà. Voilà, vous l'avez entendu. Donc, j'ai pris cette chose pour essayer. Alors, en sachant qu'il faut faire attention quand vous mettez, parce que ça en met partout et ça teinte, hein. Donc, on va faire attention... Ça teint. Ça noircit. Donc, il faudra faire attention à ton lavabo, Paulette. Donc, voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que pour tout le monde, tout va bien. Que vous avez passé de bonnes... Que vous passez de bonnes vacances. Je crois que vous êtes... On est tous en vacances, toutes les régions de la France, non? Donc, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, soyez sages, mais pas trop, bye!